Bonjour. Bonjour, la reine Alice. Bonjour. Bonjour, Eliti. Mia, bonjour. Donc, j'ai une parole pour toi ce matin. Tu as longtemps cherché. Tu as vraiment longtemps cherché. Tu as échoué aussi beaucoup. Et quand tu échouais, à chaque fois, personne ne t'encourageait dans ton environnement. C'est comme ça que les choisis évoluent. Hein. Les choisis, je peux dire que c'est dans l'adversité qu'on prospère. Mais au début, tu auras l'impression que tu es même seul. Tu fais des choses, même ton mari ne te supporte pas. Il faut que tu saches que si cette personne ne te supporte pas, ce n'est pas de sa faute. Il y a des personnes qui ne savent même pas comment se supporter elles-mêmes, qui ne savent pas comment s'encourager, qui ne savent pas ce que c'est que d'encourager quelqu'un. Donc tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un qui ne s'encourage pas lui-même t'encourage. La vie, c'est un peu comme les affaires de quand on te donne le gilet de sauvetage là. On dit quand l'avion va crasher, ou bien si vous tombez dans l'eau, il faut sortir pour nager. On dit mets d'abord ton gilet de sauvetage avant de mettre pour l'autre. Si l'autre personne ne connaît pas comment s'aimer, écoute ma chérie. Et beaucoup d'entre vous, la parole de Dieu vous trouve quand vous êtes dans des relations où on ne vous supporte pas.
Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa saison. Tu peux être plus âgé ou moins âgé que la personne. Ou bien, la personne, tu peux être dans ta saison, donc avant que la personne te rencontre, ma chérie, tu vois depuis que tu as 14 ans. Tu travailles, tu bosses, tu t'occupes de toi-même depuis que tu as 14 ans. Il te rencontre à 30 ans. Et lui, il est ignorant de ces choses-là. Pardon, likez ma vidéo, aimez la vidéo sur TikTok. Partagez aussi si vous avez des groupes. Je ne sais pas trop comment on partage là-bas. Donc du coup, la personne ne peut pas. La personne ne peut pas. Et toi, ta saison est là. Je me rappelle quand je voulais acheter ma première voiture. J'étais en relation avec un homme qui ne voulait pas bosser. Il ne voulait pas bosser. Plusieurs années plus tard, hein, si on se reconnecte encore, je suis sûr que même là où il est là, pareil. Il y a les gens que tu arrives dans sa vie, tu lui donnes une chaussure. Vous vous séparez 5 ans plus tard. Tu vas chez la personne, tu vois encore la même chaussure. Ou bien vous vous trouvez en route quelque part là. Ou partez à une fête. Tu vois que c'est la bille que 5 ans. Quelque chose, ça fait 5 ans que tu achetais. C'était peut-être 50 000 à l'époque. Maintenant, tu t'habilles dans les 350 000, 500 000. Bonjour Vivien. Et le truc, c'est que vous laissez ces personnes gâcher parce que c'est votre saison. Quand ta saison arrive, hein, ma chérie, c'est en dépit de tes ex, en dépit de ton gars, en dépit de là où tu travailles. Vous avez trop mis votre... Oh, comment je peux dire ça? L'huile de blindage. L'huile de blindage. Il faut souvent mettre ça sur votre poitrine. Vous me suivez? N'oubliez pas. Bonjour Nyango. Le Seigneur m'a demandé de dire ce matin comme tu te réveilles. Hein? Bonjour Adeline. Tu es dans ta saison. Et dans le passé, tu as raté tes saisons. Quand tu ratais tes saisons, les gens, ça coûtait majoritairement à cause des gens qui étaient à côté de toi. Et parfois, tu es en relation avec quelqu'un. La personne t'étouffe. Si bien que tu te dis, ah, si elle va acheter ma voiture, il faut que j'achète d'abord pour la personne. Ou bien si elle doit acheter ma voiture, il faut que j'achète pour deux personnes. Tu vois un peu le genre de truc que la personne peut te mettre dans le cœur, non? Il te fait te sentir mal, genre, non, tu ne peux pas. Si tu achètes, tu achètes ta chaussure, il faut que tu achètes ma part. Il est resté, il ne lance pas son business. Il vient, il prend ton argent pour lancer son business. Mais toi, tu es à un niveau où tu as un niveau de vibration où tu ne peux plus t'arrêter. Tu es là, tu travailles de 5 heures à 23 heures. Tu es dans une vibration où tu ne peux pas t'arrêter. C'est comme ça que tes choses sont en train de marcher. Tac, 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 tac. L'argent entre. Allez, recevez l'argent. Recevez l'argent. Déjà en direct. L'argent entre, ça entre. Quand ta saison est là, il n'y a pas le club santé sur la saison. Ok, comme c'est ma saison, il faut que ce soit aussi sa saison parce qu'on sont ensemble. Tu mets le planning. Lévons-nous à telle heure pour travailler. Il dort. Tu mets les associés. Venons travailler ensemble, non? On a dit qu'on devait ouvrir le business ensemble, non? Venons faire.
On va se lever à 5 heures, oui. 5 heures, on va faire tes choses. 5 heures, tu appelles, personne ne te couche. 6 heures. 7 heures. 9 heures. Ça fait 10 heures comme ça que... Ah oui, je dormais, tu sais que... Laisse les gens là tranquilles. Ils vont salir ta saison. Ils vont abîmer ta saison. Tu as déjà trop voir, ma chérie. Tu as trop bossé. Tu vas voir dans les 6 prochains mois, tu vas voir tes rêves se réaliser. Tu restes comme ça là. Les contrats qu'on faisait avant, on te disait qu'on te promet. Oui, ta papa va sortir dedans 4 millions, 10 millions, 50 millions. On promet comme ça. Ils partent quand ils vendent la chose, on fait le deal, on ne t'appelle plus. On te bloque. Maintenant, on va t'appeler seulement. On compte, tchang, 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 tchang. On dépose dans ton compte. Voilà ce qui t'attend. Hein. Et quand ça commence, c'est ta vibration qui va maintenir ça. Parce que quand Dieu commence à te bénir, il ne te bénit pas pour que tu montes, après tu descends. Après tu montes encore, après tu descends. Non. Quand ça commence, ça monte seulement. Certains d'entre vous, ça fait 12 mois que constamment ton revenu augmente chaque mois. Chose qui n'était jamais arrivée dans ta vie avant. Et certains, vous avez dû laisser certaines personnes tomber. Parce que les personnes étaient négatives. Tu restes au salaire, tac, 6 heures, tu sens que l'argent arrive. 7h30, quelqu'un te propose un business, bam! En passant, l'autre voit que c'est quoi comme ça? Ferme ta bouche, je tousse. Ferme ta bouche. Tu lui as dit les 4 derniers business qu'on t'a proposé. Fais attention, hein. Vraiment, on m'a dit que le genre de femme là, fais attention. Je t'ai dit, moi, fais attention. C'est comme ça qu'ils avaient gâté. De tout, si l'esprit t'invite à devenir vigilant, prudent. Écrivez en commentaire, je suis prudente. Je suis prudent. Likez la vidéo. Je suis vigilante. Écoute, même si tu avais la bonne vibration, c'est parti. Comme la fille a dit. Je dois dire, j'étais sur une bonne vibration. Actuellement, trop d'imprévus. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ta vibration est venue, tu connais comment faire que ça vienne. Certains d'entre vous, tu dois calculer même un endroit où tu dois être seul. Même s'il faut que tu partes louer une chambre quelque part. Les soirs où tu as besoin d'être seul, tu pars dans la chambre là. Même si tu payes 50 000 au mois, ton revenu va augmenter au moins 2 millions. 50 000 en vaut la peine. Certains parmi vous, bonjour Alain, je vais bien. Vous avez besoin, votre intuition veut que tu écoutes. Comme là, je suis dans une de mes maisons, il y a un oiseau ici dehors. J'aime bien cette maison, c'est parce qu'il y a une sorte de forêt quelque part ici à côté. C'est pas très loin. Donc si je sors, je marche 30 secondes. Je dépasse seulement 3 maisons. Là, j'ai carrément toute une vallée pleine d'arbres devant moi. Et j'ai des oiseaux, j'ai plein d'oiseaux ici. Ils sont déjà debout. J'ai un arbre dans ma cour, il y a plein d'oiseaux. Donc quand je veux être... Je vais avoir mon moment à moi de réflexion. Je sors. Et parfois ton intuition va te parler. S'il le faut, prends le bureau. 30 000 que tu vas payer par mois, ça ne va pas te tuer. Beaucoup de choses, vous devez faire par la foi. Beaucoup de choses que vous faites, vous ne devez faire pas la foi.
T'es ça, Mireille, je suis en forme. Tu vois, moi, j'ai fait le direct avec mes cheveux, avec mon habit que j'ai porté là. Non, oui, voilà. Voilà. Je suis en forme. Je ne pouvais pas attendre d'aller faire prendre la douche, tout ça, là, bosser les dents, gnagnagna. Je n'ai même pas bossé mes dents. Si vous avez les oreilles, vous pouviez sentir mes oreilles, vous pouviez sentir mes dents, comment je n'ai pas encore bossé. Parce que quand ça va sortir, ça va sortir. Je te demande, qu'est-ce qu'on doit faire pour rester dans cette vibration? Tu dois désirer rester dans cette vibration. La vibration se désire. Tu connais comment tu es d'abord arrivé là-bas au départ. Il y en a parmi vous, vous vivez dans les maisons où vous ne pouvez pas faire votre lavage. Vous êtes dans les maisons où vous ne pouvez pas faire votre lavage. Tu ne peux pas mettre tes produits spirituels là-dehors jusqu'à commencer à utiliser. C'est mauvais. C'est dangereux. C'est dangereux. Même s'il faut que tu restes chez toi, il vit chez lui. Quand tu fais ton travail spirituel, tu rentres chez toi, ma chérie. Écoutez, hein, nous sommes dans l'ère de la réalisation des rêves. Nous sommes dans l'époque où les rêves vibrent. Tu restes comme ça, tu penses à quelque chose. Trois jours plus tard, tu appelles, tu as l'agent de ça. Hein. Tac, 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 tu mets sur pied, tu fais. Tu as tellement entraîné ta vibration. Tu sais qu'on est des êtres de vibration, non? Parfois, tu rencontres un gars, ouais, les faux dragueurs là, non? Les faux dragueurs pauvres là. Il te voit, ton énergie la tire tellement, il est derrière toi qu'un cougnant, cougnant. Vous m'entendez, TikTok? Likez la vidéo. Bonjour, Otessa, je vais bien. Laura, bonjour. Tu penses à quelque chose. Tu vois, là, le faux dragueur, là, il a sa voiture. Donc, en fait, son seul palmarès qui reste dans sa vie, c'est la voiture qu'il conduit. N'ose pas aller chez lui, ma chérie. Mm-hmm. Non, j'attends d'avoir la femme. C'est une femme qui me manque dans ma vie. Hein. Faites attention au genre de mec que vous rencontrez. Sa vie est comme si il n'y a que toi qui va venir fixer sa vie. Ça, c'est les problèmes que tu cherches, ma chérie. Et au départ, il te dit, non, je n'attends rien de toi. Mon frère, je connais déjà ça. I've been there. I've been that. I've done that. And do it again, boy. Mm-mm. Vraiment, tout est là dans ma vie. Je n'attends qu'une femme comme toi. Le piège. Tu regardes ça. Non, quand j'aurai l'argent. Tu regardes. Tu sais, vraiment, je planifiais faire ça sur tel terrain quand j'aurai l'argent. Fuis. Tu peux ne pas avoir de voiture pour l'instant. Mais la personne qui a la voiture n'a même pas 20 000 pour mettre le carburant dedans. Toi, en banque, tu as au moins 15 millions. Par jour, tu brasses au moins 500 000 qui sont dans ta poche. Tu as au moins 4 projets sur pied en même temps. Cette personne a besoin de ta vibration. Écoutez bien. Les choisis. Dieu m'a dit de te dire ce matin. Mon message pour toi ce matin. Tu me suis. Ta saison est là. Écrivez ici, ma saison est là. On monte, on descend, on fait n'importe comment. Récemment, j'ai une amie qui a ouvert un business. Et elle a trouvé un sponsor. Le sponsor a investi dans son rêve. Il a mis près de 16 ou 17 millions comme ça. Elle loue le local. Elle me dit, voilà, j'ai loué le local. Elle achète tout. Neuf. Elle met dans le local. Et puis un jour, elle me voit, frère, voilà. Il m'a dit qu'il ne veut plus investir. Voilà, qu'il faut que je rapporte déjà quelque chose. Je ris. J'ai dit, ma chérie. J'ai créé l'équipe Diga Academy en 2016.
Au Cameroun, j'ai créé officiellement en 2019. C'est en 2023 que j'ai acheté les choses neuves dans mon entreprise. 2023. C'est-à-dire 4 ans plus tard. Ça ne veut pas dire que je ne générais pas l'argent. Les choisis ont une vitesse de vibration qui fait que quotidiennement, tu ne peux qu'attirer l'argent. Écrivez ici en commentaire, j'attire l'argent quotidiennement. J'attire l'argent quotidiennement. Il y a quelqu'un qui a une douleur ici dans le dos. Tu as une douleur dans le cou. Tu es en train d'être guéri. Reçois ta guérison. J'attire l'argent quotidiennement. Et quand tu veux accepter ça, hein, ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. J'ai fait tellement de business dans le passé. Et quand le Seigneur m'a connecté à ce que je fais maintenant, il y avait tellement de choses, tellement de business. Mais je n'avais pas encore vu quelqu'un qui faisait ce que je fais. Et les gens qui étaient dans mon entourage immédiat, c'était des personnes qui ne font pas, on m'a dit qu'ils ne font pas ce que je fais. Ou bien qui n'attirent pas du degré que je connaissais que c'est possible. Donc le Seigneur me dit à un moment, je me réveille, il me dit, quand tu veux faire tes plans, quand tu veux voir ton degré de réceptivité, vois avec ce que j'ai mis dans ton cœur. Vois avec ce que je mets dans ton cœur. Ne vois pas avec ce que les gens font autour de toi. Il y a quelqu'un que tu avais toujours les douleurs quand tu as tes règles. Tu es en train d'être guéri aussi. Mets la main sur le ventre. Le ventre. Il y a aussi la douleur de la césarienne qui ne part pas là. Je te guéris totalement. J'enlève toute douleur dans ton bas-ventre, au nom de Jésus. Dépose la main. Par cette main que tu déposes, je commande à l'ange Michael, l'ange Michel, de couper la tête de tout serpent qui était planté dans ton ventre. Je détruis tout fibrome. Je déclare que la cicatrice de ta césarienne guérit totalement. Je te guéris des palpitations. Si ça fait quelques jours que tu as des palpitations, tu ne sais pas pourquoi. Ok. Likez la vidéo. Donc, tu es en train de rentrer dans une saison où, tu vois, quand tu marches avec les gens, ils planifient quelque chose, ils planifient pour avoir l'argent. Après, en planifiant, ils sont toujours, comment est-ce que je vais dire, ils pleurent toujours l'argent tout le temps. Hein? On va faire comment? Vraiment, qui va me donner? On n'a pas l'argent pour faire ça. Hein? Je déclare maintenant sur ta vie, comme tu m'écoutes là, je déclare au nom puissant de Jésus que ton argent vient. S'il faut peut-être 100 millions pour acheter le terrain, je déclare que 100 millions devient, c'est maintenant, c'est rien pour toi. Je déclare que tu as constamment dans ton compte au minimum 50 millions. Et ce que quelqu'un prononce comme ça là, tu dis que ah, je n'ai même pas 2000 dans mon OM. Reçois. Toute personne qui est dans ton entourage, même si c'est ton mari, qui veut t'empêcher de dépenser ton argent par la foi pour acheter ce qu'il faut ou encore pour acheter ce dont tu rêves, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus
que tu ne subis plus le chantage de cette personne. Tu déclares que tu résistes à ces paroles négatives. Je fortifie ton esprit. Je déclare que tu n'es pas distraite. Je déclare que ta voiture, même tu upgrades. Tu croyais que c'est dans 4, 5, 6 ans que tu vas changer de voiture. Je déclare qu'en 2023, tu changes de voiture au nom de Jésus. Je fortifie ton esprit. Vois ton argent qui vient à toi. Reçois les stratégies. Recevez des stratégies de business. Je vois aussi quelqu'un que avant tu pensais que tu ne peux pas tenir dans une conversation. Tu vois, tu t'es assis une fois dans une pièce où on parlait de milliards. Tu as commencé à trembler. Maintenant, le Seigneur me dit de te dire que tu es en train de recevoir l'énergie pour attirer et aspirer la confiance des personnes là. Quand on te voit, on a confiance en toi. Les projets de 500 millions de francs CFA, tu voyais souvent les gens obtenaient ça devant toi. Je déclare que maintenant, ton énergie peut supporter ce genre de projet. Et ça vient à toi. Voyez ça qui vient à vous maintenant. Recevez vos gros projets au nom de Jésus. Il y a des gens qui te regardaient. On te guette de temps en temps, comme ça, on dit, ah, est-ce qu'elle peut lui confier la construction de mes immeubles là? Même pas mon mais. Est-ce qu'elle peut tenir les chantiers là? Je déclare que toutes ces personnes te voient maintenant comme quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de puissant. On ne te voit plus comme une femme pauvre. Je déclare que tu aspires la confiance. Mettez la main droite sur votre front. Mettez la main droite sur votre front. J'enlève tout insigne de rejet. Tout voile sur votre visage. Robrika tu rabakas ki embratos koto la kashikate. Le crosso torobobo chante de basso. Le voile de laideur, les boutons qui sont sortis de ton visage, tu ne sais pas d'où ça sort. Et depuis, ça ne veut pas partir. Je déclare aujourd'hui que tu es libéré. Comme toi-même, tu as mis ta main sur ton visage. Il y a l'huile mille faveurs. Ceux qui ont acheté le kit attirance, il y a l'huile mille faveurs dedans. Prenez du lavage, faut moins de ça sur ton visage et tes bras pendant 7 jours. Tu parles sur toi. Et tu prends l'huile de blindage. Il y a l'huile mille faveurs, c'est différent de l'huile de blindage. L'huile de blindage, tu mets ça sur ton front en signe de croix, sur ta poitrine, entre tes deux seins ou pectoraux, en signe de croix. Toute personne qui a eu dans ton entourage, ok, excusez-moi, le Seigneur me montre aussi qu'il y a des personnes que tu as fréquentées, ces personnes étaient de mauvaise foi. Et quand elles sont arrivées, ces personnes étaient de mauvaise foi. Quand elles sont arrivées quelque part avec toi, on t'a mis la même étiquette que ces personnes. Toute mauvaise étiquette que tu as reçue, je n'ai pas vu le donne-moi tout, je n'ai pas de l'huile mille faveurs. L'huile mille faveurs, ça fait maximum 5 mois que j'ai sorti cette huile-là. L'huile de blindage, c'est dans vos choses depuis. Je continue. Cette personne vous a mis une mauvaise étiquette par association. Et depuis là, peut-être tu as même fait ton statut et on t'a vu avec la personne sur le statut. Ça a gâté ton image. Je déclare sur toi comme tu m'écoutes. Je déclare sur ta vie comme tu es en train de m'écouter.
qu'aucune arme que l'ennemi a forgée contre toi ne va prospérer. Je te libère. Je te prospère. Je restaure maintenant ton image. Je restaure la façon dont les gens te voient. Écoute bien. Avant, tu avais peur. Ta nouvelle ce matin, c'est qu'on va te commencer à te confier les projets de millions de francs CFA. Millions d'euros pour certains. Il y a eu au moins deux ou trois fois dans ta vie où tu étais tout prêt. Maintenant, tu es à un niveau où on est en train de te donner. Vois ça comme on te donne. Vois le papier comme tu as été signé. Commencez à planifier. Comment tu vas acheter ta voiture? Tu vas te mettre à l'aise. Tu vas acheter ta maison. Tu vas construire ta maison en 3 mois. C'est pas parce que tu marches avec les gens qui ont les fausses, les anciennes Toyota de 1999 là, que Dieu ne veut pas te donner la voiture de 2023. Hein. Recevez une maison nouvellement construite. Recevez une voiture de 2003. Je déclare que tu ne fais pas tes projets en fonction de ce que tu vois, mais tu fais tes projets en fonction de ce que Dieu te montre à l'intérieur de toi. Voyons le message qu'ils ont pour vous ce matin. Vous allez découvrir des secrets financiers qui vont vous donner beaucoup d'argent. On va vous connecter dans des, vous allez aller dans des bureaux où on va parler des types de business que vous aviez, vous n'avez jamais imaginé que c'était possible dans votre ville. Je vous connecte maintenant à des cercles de personnes financièrement tellement à l'aise que quand vous asseyez, j'ai eu une réunion là, dans laquelle une amie m'a introduit dans cette réunion. Par la cotisation pour manger, c'est 1 200 000 par 250 s'il vous plaît. Donc, comment on dit que c'est toi qui reçois l'endroit où on fait la réunion? C'est dans le, je peux dire, c'est dans le plus grand hôtel de Douala. On sort de la caisse 1 250 000 chaque fois qu'on se rassemble. Et je n'ai pas même pas mangé, je ne suis pas même pas. Dans les gens, quand tu t'assois dans la salle là, hein, tu sais que les gens avec qui tu es aussi, il y a quelqu'un à côté de moi. C'est que la personne là, vous voyez un peu, non? Je vous mets dans les salles les plus prestigieuses de votre ville. Et quand vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas comme le chauffeur ou l'assistant de quelqu'un. Tu peux être quelque part par hasard seulement, hein, par erreur même. Par contre, tu peux être quelque part, tu arrives au hasard. Mais ton énergie correspond tellement à la pièce. C'est bien qu'on te regarde, c'est vous la présidente de la réunion? Parce que l'énergie est là, la vibration est là. Ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'élever ta vibration. On va te confondre en route pour un riche. Certains d'entre vous êtes des empathes, c'est-à-dire vous absorbez l'énergie partout où vous allez. Je déclare maintenant que l'énergie que tu vas absorber, c'est l'énergie positive. L'énergie de la richesse. L'énergie des marquis, des rois.
des duchesses et des ducs. Écrivez ici, mon énergie est royale. Allez, écrivez. Vous ne sucez plus seulement les mauvaises énergies. Vous partez dans les grands endroits avec des grandes personnalités. C'est le genre d'énergie là que vous absorbez maintenant. Et quand tu absorbes ça, ça reste dans toi. C'est ça que tu dégages. Certains d'entre vous, vous allez... C'est la fin des attaques mentales. Les derniers temps, vous avez été trop embrouillés. Il y a eu trop de confusion en vous. Et puis, vous êtes en train de devenir calme. Ton message ce matin, reste calme. Tu es un ange. Tu es quelqu'un qui est amené pour guérir les gens sur la terre. Beaucoup d'entre vous aussi, vos dons de guérison. Je vous ai dit que je fais une formation le 1er et le 2, de 18h à 20h. La formation sera enregistrée. Comment transformer ces dons, les dons que vous avez là? Comment monétiser? Certains parmi vous, vous ne savez même pas où commencer. Donc, si tu m'écoutes, tu sais que tu as les dons, que tu es appelé à aider les gens. Que tu es un ange de la terre, un ange terrestre. C'est pour toi. Il faut que tu assistes. Vous êtes aussi dans une saison où vous allez guérir de vos traumatismes. Je vois quelqu'un ici, on t'a traumatisé dans l'enfance. Tu crois que tu es qui? Hein? Tu penses que tu es qui? Tu crois que les gens de notre famille font ça? Hein? Maintenant, tu sors de cela. Certaines personnes ici, là, tu es un miracle. Tu ne devais même pas être en vie aujourd'hui. Maintenant, tu es un miracle et en même temps, tu as un miracle qui arrive. Les incantations qu'on a faites contre toi, elles sont en train d'être annulées. Ça tombe. Écrivez en commentaire. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Nombre 23, verset 23. Aucune incantation ne peut marcher contre Uralie. Aucune incantation ne peut marcher contre Malice. Aucune incantation ne peut marcher contre Juliette. Écrivez. Aucune incantation ne peut marcher contre... Tu mets ton nom. Vos ennemis sont exposés et ils sont mis à terre. Et pour certains d'entre vous, votre pouvoir mental, psychique, est en train de s'ouvrir. Tu écoutes bien la voix de Dieu maintenant. Avant, c'était un peu flou. Maintenant, tu restes, tu sais exactement ce que tu dois faire. Certains ici, là, vous êtes la main de Dieu sur la terre. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Donc, il vous protège intensément. Vous êtes des ambassadeurs. Certains ici, là, votre pouvoir est en train de s'ouvrir. Et l'abondance est en train de venir à vous. C'est ma saison d'abondance, écrit. C'est ma saison d'abondance. Recevez votre voiture. Recevez vos voitures, recevez vos maisons construites, recevez votre promotion, recevez l'entrée dans des bureaux où on parle des milliards de francs CFA. C'est qu'il y a des sommes d'argent que on n'a jamais, ça n'a jamais sorti de ta bouche. Tu n'as jamais dit que oui, donne-moi 50, mais non, non, non. C'est qu'il y a des gens, quand tu t'assois à côté d'eux, ils ont toutes les conversations de millions. Oui, il faut virer les 5 millions là-bas. Ok, d'accord. Tu me déposes combien ici? Je t'avais dit 50 millions, non? Allez, prononcez les sommes là. Prononcez, dites 50 millions. 100 millions. Entraînez votre bouche à prononcer ça. 700 millions. Allez-y.
milliard. Prononcez. Allez-y, allez-y. Prononcez. Ouvrez la bouche. Certains d'entre vous n'avez jamais l'argent parce que vos oreilles ne sont pas habituées. Tes oreilles sont oreilles, donne-moi 2000, non? Lui, donne-moi les arachides de 400. Avec la tomate de 200. Milliards. Oui, pour construire l'immeuble là, on a besoin. Oui. Ok, je vais virer les 3 milliards dans le compte demain. D'accord. Comme ça, quand tu reçois, tu me dis. Prononcez. 5 milliards. Dites, j'ai déjà écrivé ici là. Hein. Dites, ouvrez votre bouche. J'ai déjà transféré les 2 milliards là. Tu as reçu. Écrivez ça ici. Vous me ouvrez la bouche à la maison, vous dites. Que j'ai transféré les 2 milliards là. Tu as reçu. Ça en est, tu as reçu les 2 milliards là. Pascaline, est-ce que tu as reçu les 3 milliards là? Lydie, tu as reçu? D'accord, bon, fais-moi un chèque alors. Je veux le chèque de 15 millions. Oui, il faut payer les ouvriers là-bas. Le chèque de 15 millions, là, tu as déposé ça où? C'est sur la table dans ton bureau. Habituez-vous aux conversations. Voilà. Alika, j'ai reçu les 50 milliards là, oui. Rada, oui, j'ai reçu les 3 milliards. Tu peux passer 3 ans. Ta bouche ne prononce jamais que j'ai envoyé 1 million à telle personne. Même pour qu'on te donne, pourquoi tu peux pas mettre le compte de quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas te faire confiance avec l'argent là. Recevez la confiance. Ce qu'il y a, les positions, que les postes que tu occupes souvent, tu brasses les milliards par jour. Ça fait que tu comprends que l'argent n'est rien, que ça vient, ça part. Par contre, quand tu es dans la sécheresse, oui, j'ai déposé mon gâteau de 500 ici. Qui a pris? Oui, madame. Oui, où est le reste d'argent? C'était 250. Viens déposer sur ma table. Voilà les mots de tête, les montants de mots de tête là. Je vous libère mentalement de la pauvreté. Lydie, ne mets pas le. Laisse si c'est CFA ou euro. Laisse. Ne mets pas que 2 milliards d'euros. Laisse. Parce que toi-même dans ta tête, tu sais que 2 milliards d'euros, c'est impossible. Dites seulement les sommes. Ne mettez pas les devises à côté. C'est comme ça qu'on connaît la pauvreté. Parce que le pauvre va te vouloir dire que le pauvre va impressionner les gens. Quand tu as l'argent, hein, tu n'as pas besoin de préciser la devise. Je sais que même si c'est l'argent de la Sierra Leone, si elle dit 5 milliards, c'est que c'est beaucoup. Peu importe le pays sur la terre, si elle dit 5 milliards de Naira, c'est beaucoup. Peu importe la devise. Donc laissez-moi les devises à côté là. C'est les pauvres qui vont vouloir mettre la devise sur ça. Tu ne veux, il n'y a personne que tu veux impressionner ici. Nicole, j'ai reçu les 25 milliards là, oui. D'accord, je vais t'envoyer le reçu. Je te fais un reçu pour le reçu de paiement. Je t'envoie ça tout à l'heure. Voilà, mon champagne millésime de 2 millions. Oui. J'ai déposé ça dans mon armoire à la maison. Habituez-vous à ces conversations. Habituez-vous. Peu importe ce que c'est, quand il y a le milliard, c'est beaucoup. Peu importe, choisissez une devise dans le monde. Mettez déjà les milliards, la personne est riche. Oui. Voilà, tu dis que Alika a dit que son boulot lui permet de brasser beaucoup d'argent. Avant même pouvoir 100 000, c'était seulement la réunion. Il faut remercier Dieu pour ça. Je t'envoie le matériel de 6 millions, tu me fais un dépôt. Non, fais-moi le dépôt d'abord, ma chérie. Fais d'abord le dépôt. Ça, c'est les pauvres qui parlent comme ça. Tu prends les choses à crédit.
Quand on a l'argent, on ne prend pas les choses à crédit. Oh. Vivi, parce qu'elle a reçu les 500 millions là, non? Oui. Il a reçu. Il va voir l'acheteur, il va voir le vendeur tout à l'heure là. D'accord. On va déposer dans le compte du vendeur. On va aller à Finland First Bank. Ou bien UBA. Je crois qu'il y a aussi un compte UBA. Ce sont les chiches et les pauvres qui disent que donne-moi, je vais payer après. Je t'ai déposé les 100 millions là. Oui, j'ai fait le transfert vers minuit là. C'est arrivé dans ton compte? D'accord. Dès que tu reçois ça, tu m'envoies la marchandise. Voilà comment les hommes surparlent. C'est comme ça que les hommes surparlent. Pas vos affaires. Mais oui, envoie, je vais te déposer. Je vais faire le dépôt après. Mais si je reste, j'attends les 10 millions là, oui. Non, tu n'as pas besoin de mettre les frais de retrait. Ne te dérange pas. Et le riche aussi n'est pas sur les frais de retrait. Oui, tu m'as fait le dépôt de 5 000. C'était 5 150. Ah, c'est les pauvres. On emprunte ton jet privé. Bon, Bénédicte, je crois que... Pas, on va partir dans les deux, ok? J'ai bien envie d'amener mon staff à Los Angeles le week-end. Donc, nous deux, on va rester dans le tien. Et puis, dans le mien, si je veux mettre mon staff. Oui. Ah, tu veux le t-shirt? Tu veux ça? Je vends, hein? J'oublie seulement de vendre ma marchandise souvent. Le tricot de Gift Digger. Il faut commander, on t'envoie ça, amen. Vous savez que moi, j'ai tellement de produits à vendre ici là que parfois j'oublie. Il vient pas ici, c'est tellement sucré dans ma bouche que j'oublie même. Il faut envoyer l'argent. Tu veux quelle couleur? Tu vois comment je vends ma chose et te demande d'abord l'argent, non? Payez vos choses comme les grands. Comme les grands. Voilà. Ok, Alika, je t'envoie mon RIB tout à l'heure, là. D'accord. Entraînez-vous pour parler comme les riches, pour ressentir ce que les riches ressentent. Oui. Troukema, tu vas t'ennuyer avec moi, pourquoi? Je ne peux pas venir m'ennuyer sur la terre. Vous n'achetez pas mes choses. Tu que le bracelet t'appelle. N'achète pas. Envoyez-moi l'argent aujourd'hui. Envoyez-moi l'argent. Pour tchaka boum. Go piap. Pour you a. Flore, il y a le blanc, il y a le gris, il y a le noir. J'aime pas faire la couleur verte parce qu'il fallait faire les designs. J'ai pris quand même les couleurs génériques. Ceux qui étaient ici chez moi pour la fête du travail, je vous avais donné ça. J'avais partagé ceci pour la fête du travail. Et on écrit dessus, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Habituez-vous à l'argent aujourd'hui. Hein. Et vous savez, on est dans une ère où Dieu a tellement facilité les choses. Maintenant, tu restes, l'argent vient te trouver dans ton téléphone. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller récupérer. J'ai fait une transaction avec un homme là l'autre jour. Il me dit, bon, le reste des millions, si je vous dis la somme ici, là, vous allez vouloir quoi que j'ai. Il dit que le reste des millions, tu me déposes ça seulement sur mon compte. Ne te dérange pas. Fais-moi seulement le dépôt. La reine Foster, quand il y a quelqu'un qui vient, il va t'envoyer ta part. Rappelle-moi. Il y a trop mangé tes gâteaux. L'abondance, c'est quand tu fais tes projets, tu n'as pas peur. Et ici, on n'achète pas. Et si les gens ne viennent pas. Tu ne connais pas les choses comme ça. Ça vient. L'argent vient. Ça vient. Écrivez cela. L'argent vient. Et la pluie, tôt le matin. Vous entendez ça? Le goût de chat. Vous voulez sortir pour aller voir les oiseaux là-bas dehors. Quand il pleut comme ça, là, c'est pour m'empêcher de sortir.
Tu as aussi ton fonds de commerce pour tes boutiques. C'est super. Ceux qui sont à Douala, là, ils pleurent, non? Recevez l'argent aujourd'hui. Quel peuple doit crier maintenant? Recevez la bénédiction. Recevez. Il y a les lavages examens. Comme mon sourire est devenu beau. Avant, le sourire était tout belle, famille. Tu as compris? Mon sourire était toujours beau. Je ne peux pas laisser qu'on me frustre à cause de quelque chose sur moi. Impossible. Vous ne pouvez pas me frustrer. Vraiment, je dois aller faire ma deuxième mi-temps de mon sommeil. Attendez, pas dormi. Là, c'est le genre de pluie là que c'est bon pour faire les bébés. Vous avez reçu l'argent, non? N'est-ce pas? Voilà. Je vous bénis. Bon, on va travailler, ça c'est la pluie pour le travail. Bye bye, je vais pas moi travailler, pardon. Je vais pas me distraire, je vais pas manger le chocolat. Recevez les bébés. Pour le lavage examen, tu envoies ta photo ou la photo de ton enfant. Et c'est 20 000 francs CFA. Bon, on est dimanche, je vais faire les lectures de cartes aujourd'hui. Si le Seigneur me permet, bien sûr. C'est la semaine passée que j'avais fait. Mais notre bébé n'a pas encore vieilli. Ouais. Bon, laissez-moi, bye bye, bye bye. Eh, c'est comment? Vous êtes en Bengue là-bas, vous n'avez pas la pluie. Laissez que j'enjoye ma pluie. Bye.